à Djibouti lors de la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance. Le président Ismaël Omar Guelleh a souligné l'importance du 27 juin comme symbole de l'unité nationale et point de départ du développement économique. Le chef de l'État a réitéré que cette journée marque à la fois l'apogée de la lutte contre la libération du pays et le début du développement économique. Le 27 juin est pour tous les Djiboutiens une journée de communion nationale sous l'ombre de notre drapeau. Une journée où nous laissons éclater toutes nos émotions pour exprimer notre sentiment patriotique. Ce 27 juin a été en même temps un aboutissement de la lutte pour notre émancipation et un point de départ pour le développement économique de notre jeune nation. Le chef de l'État a également rappelé que cette journée marquait le point culminant de la lutte pour la libération de Djibouti du colonisateur français, un événement qui a brisé les pronostics selon lesquels le pays ne pourrait pas survivre. Ils ont surmonté ensemble tous les obstacles et toutes les épreuves. Ils ont commencé par déjouer tous les pronostics qui certifiaient que leur pays n'était pas viable. Ils ont fait de l'unité nationale un rempart infranchissable contre les démons des divisions communautaires. Abordant la situation régionale, le président Guelleh a exprimé ses préoccupations face aux turbulences affectant les économies des pays voisins. Il a réaffirmé l'engagement de Djibouti en faveur de la paix et de la stabilité dans la région. Djibouti ne peut pas être indifférent à cette situation. C'est pourquoi nous déployons tous nos efforts diplomatiques en mettant en œuvre nos offres de médiation pour pacifier notre région. La fin de la fête nationale a inclus un défilé militaire à Balbala, démontrant les moyens techniques et humains des forces armées djiboutiennes. Le président a rendu hommage aux martyrs de l'indépendance en déposant une gerbe de fleurs au mausolée du martyr de l'esplanade du Palais du Peuple.